Damas, une star des écrans syriens qui retrouve le plaisir des planches et la direction de jeunes acteurs dans un lieu à elle, le Teatro, avec la présence lumineuse de May Escaf. Je vous emmène vers l'ailleurs, depuis le musée voyageur du Quai Branly, à Paris. Son visage est familier au public syrien. Sur grand et petit écran, May Escaf a incarné toutes sortes d'héroïnes. Jusqu'au moment où l'envie d'inventer ses propres scènes, de rêver ses propres projets, est devenue trop forte. Avec une bande d'amis, elle a créé à Damas un lieu pour jouer et apprendre à jouer. Un lieu pour partager des textes et des personnages qui échappent aux caméras. Avec un nom claquant comme une évidence, le Teatro. يلا نرجع حيوية بلادة سخرية ذكركم فيهم كلمات ولا ما في داعي باسم مامو وين 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 السخرية وين البلادة وين انه ما لها فارقة معي شو بكون يلا نرجع سلموا محمد شاركوا مع الحكواتي فوت بجو مشاركة مع حكواتي هلا دخل حكواتي يلا Quand je joue, il y a toujours un moment où tout devient très chaud. Et à ce moment-là, j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. C'est d'une grande intensité. C'est vraiment très fort. Ce sont des moments qu'on n'oublie jamais. Ils sont précieux. Heureusement, j'ai vécu ça sur plusieurs projets. Je ne peux pas tous les citer, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir trouvé un trésor, un vrai trésor, un instant magnifique. Et tout ce bonheur, je le dois à ce métier. J'ai l'impression que sans ce métier, je ne pourrais pas les vivre, ces instants. Tu découvres au fond de toi-même un truc que tu viens de sentir et auquel tu n'as jamais été préparé, que tu n'as jamais même imaginé avant. Et tu le fais venir, il est là, il est plus fort que toi, ce n'est plus tout à fait toi, c'est vraiment très beau. Ce qui se passe, c'est que pour oublier les déceptions, tu te bats pour te réaliser et ça te donne une énergie que tu dois exploiter, qui te fait travailler. Au départ, c'était juste une rencontre spontanée entre copines. L'idée du théâtre est née comme ça. On était un groupe de filles qui travaillaient ensemble. On avait une expérience du théâtre et du cinéma. Et puis surtout, on avait un rêve, c'était de réaliser un projet où on pourrait toujours décider des choses par nous-mêmes. L'acteur a en lui comme un réservoir d'émotions dans lequel il est toujours prêt à puiser. Il est prêt à faire venir au moment où tu le veux, la tristesse ou l'amour. Et il se met dans les conditions pour les attraper et après pour les redonner.
Une personne normale a des états de tristesse, de gaieté, mais elle n'a pas trouvé ou elle n'a pas travaillé les moyens pour l'exprimer. Moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est d'essayer de nettoyer ces émotions, d'enlever la poussière, pour rendre tout ça sincère et pur. Et à force de travail, ils peuvent arriver à exprimer ces états-là, chacun avec ses propres moyens. Parce que ma douleur, ce n'est pas leur douleur. Parce que les muscles de mon visage, ce ne sont pas les mêmes que les leurs. يا ريتني كسرت بخاطرك ولا خليتك هيك تبلي قدامي. أليس آخر جملة؟ لا حس ولا خبر ما بعرف وين آخر شيء. وينو؟ طب وينو؟ ما عم بقدر إنه Malheureusement, j'ai pris l'habitude de me mettre aux scènes toute seule maintenant. C'est le cinéma qui m'a appris ça, et la télévision aussi. Parce que si je suis face à un réalisateur qui a beaucoup d'écoute, qui est harmonieux dans sa façon de faire, qui a du talent, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, une sorte de liaison lyrique qui n'est pas du domaine des mots, mais que l'on ressent. Et à ce moment-là, on peut vraiment faire un très beau travail. Mais le plus souvent, c'est plutôt le contraire qui se passe. Alors maintenant, je suis capable de jouer en regardant un mur. Certaines fois où la tristesse m'envahit, c'est toujours lié au sort du théâtre de ce projet. C'est surtout quand je vois que les choses se disloquent, alors que j'ai l'impression qu'on a essayé de faire le maximum. Mais si je regarde bien, à chaque fois mon âme ressuscite, c'est automatique. Je ne sais pas d'où ça vient, mais jusqu'à maintenant, c'est ça qui m'a donné la force de continuer. Parce que je sens que l'on mérite une réussite, qu'on mérite qu'un jour, dans ces lieux, je monte un spectacle et que des centaines de personnes viennent nous voir jouer. Et beaucoup d'amis comédiens, filles ou garçons, méritent aussi d'avoir un endroit comme celui-là. Ce qui nous soutient, c'est l'idée du lieu. Un lieu pour travailler, et pour nous, c'est ça l'essentiel.